gens, c'est dans cette sixième partie qu'on continue notre recherche de la fille aux cheveux violets. Alors, c'est parti! C'est nickel. Je me souviens quand tout a commencé pour moi. J'étais dans l'armée et ils avaient déjà fiché mon sang. J'étais le seul de mon unité à avoir été testé positif pour le gène des porteurs. Ils ont offert de me transférer aux affaires spéciales. Le département où on venait de former le DUB. Je devais casser du bioterroriste et faire de l'Amérique un endroit plus sûr pour tous les gentils. J'y suis allé et j'ai tout accepté. Même quand ils me criblaient les bras d'aiguilles pour m'injecter à plein tube je ne sais quelle saloperie. Malgré toutes les migraines et autres crises, je croyais en ma mission. Je la croyais, elle, Augustine. Non, il faut que j'aille. Attends. Flèche comme l'éclair. Monsieur, signez la pétition pour lutter contre la drogue. Si on n'arrête pas ce poison, nos jeunes finiront comme Fetch Walker. Fetch Walker? Les drogues ont contaminé son corps. Elles l'ont changé en bioterroriste. Nous voulons débarrasser la ville des répugnantes saletés dans son genre. Saletés, hein? Hé, hey, vous vous battez avec nous ou contre nous? J'ai pas lu. C'est quoi déjà le nom de ce magazine, là? Tu sais, avec... Que celui qui n'a jamais pêché me jette la première pierre, là. Radical! Waouh, je suis vraiment impressionné par ton calme. Mais tu devrais plutôt patienter près du néon, d'accord? Ce serait beaucoup plus discret. En plus, elle va certainement revenir pour recharger ses batteries. Ouais. Et puis là-haut, il y aura moins de gens à qui j'ai envie de défoncer la tête. Oui, aussi. Ah oui, c'est...
C'était la Bible, en fait. Tu sais, la citation. La Bible, au cas où tu te poses la question. C'était pas le cas. C'est caché près de moi, chérie. Hey, c'est vraiment toi. Chéo là. Et où ? Vraiment ? Ok, je dois trouver une planque. Bah j'en ai une là. Ok, ça va le faire. La surveillance, mais en mode clodo. Ça sent bon. Pourquoi j'ai pas piqué de fric à ces dealers ? Argent, pourquoi tu me hais ? Sois mon ami, Argent. Viens par là, avec moi. Oula. Alors, c'est déjà fait, c'est pas la suite. Ah, pas encore ce truc. Comme l'éclair. Comme la dernière fois, Delphine, concentre-toi. Ah non, 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 tu vas pas y échapper, je suis prêt maintenant. Ah ouais, on va s'échapper. Tu cours sur les murs ? Alors là, c'est trop fort. Bah... Ah. Allez ! Allez ! Bah oui, je sais qu'elle s'enfuit, mais... Oh. Oh, je vais la perdre ! Ils l'ont bien mérité. Oula. Il manque plus que quelques jours. Je ne sais pas encore trop comment ça marche. Mais comment je l'arrête là ? Laisse-moi tranquille ! C'est une... Ah non, c'est une session. Allez mon gros, bouge ton boule ! Oh non ! Bordel. Eh, faut vraiment que tu te calmes, compris ? T'inquiète pas. Je retournerai pas là-bas ! Ah, elle croit que je suis...
Laisse-moi tranquille! C'était trop bon! Drainer les moments. Ah! J'ai ça. Ah, mais elle me laisse pas le temps! La bonne nouvelle, c'est qu'elle a manqué de jus. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le fleur du noir. Peut-être que tu pourrais arrêter d'essayer de me tuer. Et comme ça, on épargnera les enseignes de bière. Moi, putain, je suis pas avec Augustine! T'es un petit robot. Combien de fois je... Attends, je veux juste un peu de tes pouvoirs. C'est tout. Fais-moi la paix! Attends, est-ce que je les ai tous pris? Voir, je sais que vous êtes là. Surprenez-moi. Ouais, celui-là aussi, je vais m'en servir. Oh, je peux courir, mais pas te planquer. Bordel, mais t'es où? Vachement futé. J'y retournerai pas. Arrête. Je t'entends respirer. Ah! Comment elle fait ça? Non! Ça fout les yeux quand même, hein?
pas l'attaquer de... Quand j'étais petite, je pensais pas que ça m'arriverait, que je deviendrais l'un d'eux. Et puis mes pouvoirs sont apparus. Mes parents m'ont balancée. Ils savaient ce que le gouvernement faisait aux gens comme moi, et ça les a pas arrêtés. J'étais complètement paumée. Et mon frère, Brent, a pris nos manteaux, et on a filé. C'était dur de vivre dans la rue. De bouger de ville en ville, sans le moindre confort. Puis on a rencontré des dealers, et on est tombé dedans. La dope, c'était le paradis. Mais on en voulait toujours plus. Le manque, c'était l'enfer. Il nous fallait un fixe à tout prix. Et quand tu perds ta cam, quand tu crois que quelqu'un te l'a volée, la cam, les dealers, ils te font faire de ces trucs. Le gouvernement m'a chopé en vitesse après ça. Mais c'était pas une prison normale. Ils m'ont appris à tirer, à tuer aussi. Alors le jour de l'accident, je me suis échappée en ayant appris plein de trucs. Tout ce qu'il me fallait pour régler ce bordel. Brent, je te jure, tous les dealers que je croise finiront avec ton nom gravé sur la poitrine. Plus personne souffrira comme on a souffert. Non, grand frère, plus personne! Delsins, ça va, frangin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as assuré, mon grand. Allez, debout! Bien joué. Hey, t'as bien fait. Je connais l'endroit parfait pour la vermine dans son genre. Un endroit où elle sera à l'abri d'Augustine et où elle fera plus de mal à personne. Eh, non. Es-tu juste des dealers, c'est tout? C'est tout? Delsins, elle assassine des dealers. Mais tu crois que je fais quoi au type du DUP? Ce qu'il faut pour sauver les nôtres, les Akomish! Non, écoute, fous-lui la paix. Non, pas question. Écoute, c'est pas parce que vous avez le même problème, pardon, problème, que tu dois te sentir obligé de protéger toutes les pourritures qu'on croise. Et je t'abandonnerai jamais, t'entends? Jamais. Mais cette fille, il faut l'enfermer. Oh! Hé! Hey! Oula. C'est dur. Alors. Apprenez-lui à se maîtriser en travaillant. Oui. Faites d'elle une tueuse sans merci et lâchez-la sur les activistes. Elle sera sous ma responsabilité. Ouais, sauf que t'as jamais été du genre responsable jusqu'à maintenant. Fais-moi confiance. Ok. Je suis là pour la tribu, pas pour coffrer des bioterroristes. Je suis une porteuse. Il est cool, enfin, d'habitude, c'est juste que... c'est pas son jour. Ouais. Allons discuter. Alors...
Néon. Reg, désolé. Ah, regardez qui voilà. La réunion du club des porteurs est enfin terminée. Je voulais juste lui parler, ok? Histoire de voir si elle pouvait nous être utile. Oh, tu vas pas me faire le coup de la grimace de Reggie, hein? Tu sais que je déteste. Écoute, tu sais que les gens comme ça devraient pas être laissés en liberté. Est-ce que t'oublies qui d'autre est comme ça? C'est pas pareil, t'es différent. Oui, je sais, je suis ton frère. Et ton frère te demande de lui donner un coup de main pour essayer de rester en vie. Et si tu veux pas le faire pour moi, eh ben au moins, fais-le pour la tribu. Ok, qu'est-ce qu'il te faut? Merci. J'ai besoin de voir les autres facettes de ce nouveau pouvoir. Et moi, Guy, les bons tuyaux pour trouver les relais de noyau. Là, c'est envoyé. Pour la tribu et pour toi. Merci. Je te dis si j'ai un truc. Non, je veux pas savoir ce que tu chopes. Au revoir, Reggie la grimace. Hé, hey Fetch, t'as vu ces boîtes lumineuses que le DUP a plantées partout en ville? Ouais, je les ai vues. Je crois qu'ils s'en servent pour me traquer. Eh ben, je crois que j'ai trouvé un moyen de m'en servir. Genre, les exploiter pour renforcer mes pouvoirs. J'allais le tenter sur l'énergie lumineuse que tu m'as filée. Et je me suis dit que t'aimerais sans doute me suivre. Peut-être même me montrer les ficelles. Oh, j'ai déjà atteint ma limite de gros dealer pourri pour aujourd'hui. Alors pourquoi pas? Oh, t'es adorable. Va te faire. Ok, on est censé trouver un de ces trucs à l'angle de la seconde et de Main. Ouais, je l'avais repéré. On s'y rejoint. Sur les voitures, ça marche pas. Ah mince, il y avait un toit. Alors, il y a pas de mal. Normalement. Maintenant, je peux passer à l'autre. Quoi? J'ai plus de fumée? Eh mais ça sert à quoi d'avoir des nouveaux pouvoirs si je dois rendre les précédents? Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Alors là... Hey Fetch, c'est par ici. Bah, je bouge pas. Les trackers de porteurs, c'est pas pour moi. Ouais? Attends de voir ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ah. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ce sera sans moi, Delcy. Il s'est passé quelque chose, je l'ai loupé. Eh, vous auriez pas vu une fille petite, cheveux violets? Pas de pitié, je tire pour tuer. Eh, hey, j'ai entendu des tirs. Je t'ai dit que ces trucs allaient te traquer. Non, je crois que c'était juste une patrouille. Tu viens d'en trouver un autre. Je t'ai laissé des marques pour le trouver. Tu vois? C'est un marqueur lumineux. Ouais, c'est bon. T'as qu'à les suivre. Ouais, mais il y a un convoi pas loin. Oh, je m'en lasserai jamais. Ah, je peux pas.
Excellent. Oh. Fetch, je viens de tomber sur quelques-unes de tes œuvres. Tu devrais peut-être calmer le jeune, hein. Je dois nourrir la bête, mec. Ou bien tu nourris pas la bête. Elle crève de faim et toi tu deviens quelqu'un de fréquentable, comme moi. Ou bien tu te la mets bien profond. Mieux que de la glace. Ouais, prends ça, saloperie de fumier toxico. C'est tout ce que tu mérites. Hé, hey, fumette, tu veux venir avec moi? Fumette. T'as besoin de mon aide ? Pas besoin, mais je prends quand même. J'ai eu un bruit. Je vais te donner un conseil. Fais demi-tour. Ah hey, souviens-moi. Tu fais ça. Moi, je pars chercher un autre de ces trucs. Les traces. Oui. Ok, je crois que j'en tiens. Contente-toi de suivre les marqueurs. Ah, mince. Au fait, ça t'a fait quoi de tuer tous ces dealers? C'est le trip ultime. Tu sais, on devrait peut-être pas trop la ramener avec les dealers. Tu me la joues sensible, Delsine? Eh, hey, on a des pouvoirs et pas eux. Ça veut dire que c'est à nous de faire des efforts. Lâche-leur la grappe de temps en temps. On en reparlera. Ouais, ouais, si tu veux. Va donc récupérer de nouveaux pouvoirs. Oula.
Ok. Et voilà. Allez, vas-y. Toi d'abord. Hey. Pourquoi ça marche pas? Hein? C'est aussi des missiles. C'est bientôt être à court de jus. C'est excellent. Pas bouger. Vous êtes devenu un champion. Fetch, j'ai vu que t'avais laissé la vie sauve à quelques dealers. Je peux pas m'empêcher de croire que j'y suis pour quelque chose. Ouais, tous les beaux gosses pourris des gosses prennent pour la cause de tout ce qui se passe dans le monde. Non, je me prends pas pour le centre du monde, juste qu'il y a un petit changement d'attitude, c'est tout. Thank you.
Ouf, ça grimpe. Tu sais, à chaque fois que t'as eu envie de traîner à cause de ces trucs... J'ai réfléchi un peu à ce que tu m'avais dit, sur les dealers de drogue dans la rue. Ah ouais? Je vais te dire un truc. S'occuper de ces salopards de dealers, c'est pas grand-chose. Mais il faudrait remonter un tout petit peu plus haut, trouver le fournisseur. Ça ferait du bruit. Bah, j'aimerais bien t'accompagner la prochaine fois que tu pars en chasse. J'ai envie de faire un peu de bruit. Je me trouve beaucoup trop calme. Ouais, ce sera un rencard mortel. Je t'appellerai si quelque chose se présente. Bon les gens, c'est sur cette fin plutôt explosive qu'on va arrêter cette 6e partie, mais pas d'inquiétude, on se retrouve très vite pour la suite. See you !